toujours total, hein, il faudrait tomber des décisions d'en haut, et on pourrait même voir se développer ce concept de gouvernance sous la forme d'une utopie qui substituerait la bonne gouvernance qu'on prêche tous les jours, la bonne gouvernance au gouvernement archaïque, hein, qui impose et qui de décisions de l'OTAN. Voilà, en somme, globalement dit, la caractérisation de ceux qui sont favorables à l'idée de gouvernance. La seconde question, troisième signification, ceux qui sont opposés à la gouvernance, dont je fais partie, vous en doutez, voilà l'analyse qui est donnée de la gouvernance. Et d'une certaine manière, non, je ne vais pas sur les stages, parce que le fait de surmonter la dualité. Voilà, je vais essayer de décrire la position de ceux qui sont opposés à la gouvernance. Alors, pour eux, elle consiste à dire que finalement, la gouvernance est due à une crise du politique, due à l'effacement d'un certain nombre de frontières. L'effacement de la frontière entre le privé et le public. L'effacement de la frontière entre le national et l'international. Et surtout, l'effacement de la frontière entre l'économique et le politique. La gouvernance serait ainsi, pour ceux qui critiquent ce concept, un concept flou où la politique serait dissoute dans les procédures relevant de l'économie et de la finance. En somme, à la légitimité proprement politique, c'est-à-dire démocratique, on opposerait, certes, une autre légitimité, celle de la gestion, de la balance des comptes, des petits et des grands arrangements, une légitimité donc en somme, fondée sur des valeurs, je reviendrai sur ce point, et sur des valeurs absolutisées comme l'efficacité, la productivité et la performance, qui se substitueraient donc aux valeurs proprement démocratiques, la liberté, l'égalité et la solidarité. Je suis parfaitement d'accord, d'ailleurs, je fais une parenthèse, avec ce que disait Franck également, l'alternative, c'est plus démocratie totalitariste, non, c'est autre chose, la démocratie, les alternatives, là, pour moi, c'est démocratie ou gouvernance. C'est le simple. J'avais souligné cette alternative et sur le mode de ou bien ou bien. De ce point de vue, on admettrait donc, de ce point de vue, que derrière le discours sur la gouvernance, ce qui tâche de s'imposer, c'est un nouveau paradigme de pouvoir, un paradigme politique, ou plus exactement, je dirais personnellement, anti-politique, puisque c'est un paradigme qui n'est pas politique, mais qui se fonde au contraire sur le développement du politique, et qui, finalement, consiste à la prise de pouvoir par les puissances économiques et financières sur le monde politique, sur le monde des États, je reprends sur ce point. Ces deux positions antagonistes affleurent parfois, quelquefois même dans le même discours. Je vais prendre un exemple. L'ouvrage de Philippe Moreau Desfarges, professeur à Sciences Po, sur la gouvernance. Très intéressant et très significatif. Moreau Desfarges est un type intelligent, donc il va défendre la gouvernance, mais il va nous dire en même temps le piège dans lequel on va tomber. C'est quand même pas mal. Et voilà ce qu'il dit. Il définit la gouvernance de la manière suivante. Je cite, gestion transparente, cycle, et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières, dans des buts de développement équitable et durable. Évidemment, cycle. Équitable et durable. Notre écologie d'argent, vous savez, ça ne vous pas cher. Et notre collègue Bourdéval commande cette définition en soulignant que la gouvernance commande, je cite, la clarté des procédures politiques de décision, la primauté du droit dans la gestion et la régulation de ressources, la lutte contre la corruption. Fin de citation. Cette promotion de la gouvernance est liée non à une discrétion, non à une disqualification des États, qu'il considère comme nécessaire pour le
fait de conférer de la solennité et d'assurer les droits. Mais sa conception, il le dit lui-même, on revient à une infantilisation de l'État. Je lis, je cite, les États, tels des élèves d'une classe, sont constamment jugés et comparés. Tels des élèves d'une classe. Page 4. Jugés et comparés par qui? Jugés et comparés, voilà la réponse, je cite toujours, sa propre population, les organisations non gouvernementales, les agences de notation, les organisations interétatiques, comme le Fonds monétaire international, etc. On voit que ce que signifie gouvernance. C'est exactement, c'est proprement dit. C'est proprement dit. Et comme notre collègue est intelligent, il s'aperçoit lui-même du piège qu'il est en train de justifier. Et voilà ce qu'il dit. À un moment où, d'une certaine manière, la vérité lui saute à la figure et il l'a mis sur le papier. Je cite, la gouvernance est bien le produit d'un monde convaincu d'être pacifique. Oui, notez ça. C'est le monde de paix. C'est le monde qui va nous attendre quand la paix va être, quand il n'y aura plus la guerre dans le monde. La gouvernance est bien le produit d'un monde convaincu d'être pacifié. Il faudra gérer, épanouir la créativité dans cet univers apaisé. La surveillance mutuelle et permanente doit assurer la discipline. Chacun rendant des comptes, et devant être transparent. Non sans. Alors là, c'est la lucidité lui vient subitement. Non sans une terrible ironie. La gouvernance se donnerait-elle, question, se donnerait-elle pour ambition de transformer la planète entière en panoptique? Cette prison parfaite de l'utilitariste Jérémy Bentham, et il continue, vous le parlez, dans cet établissement, chaque détenu est maintenu sous le regard constant des gardiens, ceux-ci ayant pour mission de réformer les délinquants de fond en comble pour en faire des citoyens normaux ou normalisés. Fin de citation. Voilà. Bon. Dans le discours de quelqu'un qui n'est pas, qui quand même comprend ce qu'il écrit, et pour lequel la question se transforme. Vous voyez ce qui en résulte. Donc, alors là, il faut sortir de ça, il faut sortir des trois. Il faut pouvoir véritablement analyser ce qui se fait dans la gouvernance pour que l'on ne reste pas à trois conceptions opposées et finalement sans rapport. Alors, je voudrais montrer deux choses. Premièrement, que la gouvernance s'enracine, je vais le dire pour être dans les temps, s'enracine sur la crise de la démocratie. Elle peut s'étendre à ce point, elle peut devenir aussi, comment dire, ceci, la question du terme gouvernance et la mise en œuvre d'opérations pour l'aide de la gouvernance ne peuvent s'étendre à ce point qu'en raison de la crise de la démocratie. Mais je voudrais continuer juste avant d'indiquer simplement les points, je ne vais pas les faire. Un point très important. Le mot gouvernance, il a commencé à être employé, il a commencé à être employé par la Banque mondiale. Cela est développé en particulier dans un ouvrage qui s'appelle La gouvernance, un concept et ses applications, ouvrage de Guillermé, Ali Casas, Sigil et Jean-Pierre Prudhomme. Édité, c'est un travail réalisé pour le CERI. Donc, le mot gouvernance a commencé à être employé par la Banque mondiale qui prêchait la bonne gouvernance aux pays d'Afrique subsaharienne, bonne gouvernance qui consistait à dire, qui faisait partie d'un discours paternaliste visant à appeler les gouvernements africains à plus de probité et à mettre fin à la misère. Alors, quand on sait que les puissances financières sont prêches beaucoup la morale aux autres, très peu à elles-mêmes, malheureusement, mais je passe, je n'ai pas besoin d'insister sur ce point, tellement la chose est évidente.